Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié au hoisting. Donc on va répondre à cette question, qu'est-ce que le hoisting? Et on va commencer par le premier point. Donc en JavaScript, on peut appeler une fonction avant de l'avoir déclarée. Alors c'est assez surprenant, mais c'est la réalité. Et évidemment, il y a une raison à cela. Vous avez dû le constater, mais je vais quand même faire un exemple pour le vérifier. Alors je déclare une variable. J'appelle une fonction. Maintenant, je la déclare. Et je fais un console log pour avoir une trace. Alors, on va exécuter ce code dans le navigateur. Et évidemment, on va constater que ça marche. Alors, pour expliquer ce fonctionnement, une explication existe, c'est le hoisting, qui veut dire hissage en français. Le raisonnement consiste à dire que toutes les déclarations, aussi bien de variables que de fonctions, sont hissées vers le haut de leur espace de portée. Ainsi, la fonction pourrait être appelée avant d'être déclarée, puisque déplacée vers le haut de la portée globale par le moteur JavaScript. La portée globale, ici, dans notre cas. Il se trouve que c'est une explication qui est donnée, disons pour faire simple, mais qu'en réalité, aucune instruction n'est déplacée. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, la vraie explication me paraît beaucoup plus simple. En fait, le moteur JavaScript analyse deux fois le code. Dans la première analyse, il s'intéresse aux déclarations. D'accord? Dans la deuxième, il les mémorise. Dans la deuxième analyse, il va procéder à l'exécution. Il me semble que l'on comprend facilement que dans ces conditions, le moteur JavaScript puisse exécuter une fonction lors d'une deuxième analyse, alors qu'il a identifié cette même fonction lors d'une première analyse. La conséquence, c'est que l'ordre d'exécution des instructions se trouve modifié. Je le répète une deuxième fois, c'est l'ordre d'exécution des instructions qui se trouvent modifiées. La déclaration ici, ligne 13 à 15, est prise en compte avant l'exécution, ligne 11. Alors dans ces conditions, on comprend qu'on puisse interpréter cette situation comme un déplacement des instructions. Mais il faut s'empresser de donner l'explication, car si les instructions se déplacent dans le code, c'est pour le moins troublant, hein. Alors, c'est intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de la déclaration de la variable let x égale 0. Dans la première analyse, le moteur va s'intéresser au let x. Et dans la deuxième analyse, il va s'intéresser au x égale 0. Donc, une instruction de ce type sera exécutée en deux temps. Elle est en quelque sorte coupée en deux et une moitié déplacée. Ok ? Bon, surprenant, non, quand même, hein? Bon. Alors, pour être précis, je dois ajouter que chaque déclaration est rangée dans son espace de portée. Les déclarations lues dans l'espace global seront rangées en haut de l'espace global. Celles lues dans une fonction seront rangées en haut de la fonction. Et celles lues dans un bloc seront rangées en haut du bloc. Alors, on va faire un exemple. Je déclare une variable test que j'initialise à global. Je déclare une fonction. Je fais un console log de test. Et je redéclare test. Et je l'initialise à local cette fois. Et j'appelle la fonction. Alors maintenant, je pose la question. Que va afficher ce console log de test? Alors le mieux, c'est de l'exécuter dans un navigateur, puisqu'ici on peut faire ça, et vous voyez qu'il affiche undefined. Alors on va essayer de raisonner avec le hoisting pour expliquer cette réponse. Alors tout se passe comme si c'était le programme suivant qui s'exécutait. En fait, il y aurait la déclaration qui serait déplacée en haut de la portée de la fonction. Et il y aurait la partie exécution qui resterait en bas. D'accord?
Donc, dans ces conditions, on comprend que, donc, var test ici masque la déclaration de global, là. Donc, le console log, quand il arrive ici, il voit un test ici, une variable test, qui n'est pas définie. Donc, il affiche undefined, c'est logique. Alors, il faut remarquer que, exceptionnellement, j'ai utilisé var pour mes déclarations de variables, de manière à produire cette situation un petit peu tordue. Alors, avec delete, c'est une exception qui aurait été levée. Alors, en conclusion, le meilleur moyen de ne pas avoir recours au raisonnement par le hoisting, c'est d'écrire son code proprement et de déclarer ses variables en haut des différentes portées, d'utiliser delete ou des const, et d'utiliser le mode strict. D'accord ? Dans ces conditions, vous devriez avoir moins recours à ce genre de raisonnement. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker ou à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.